Président Jovenel Moïse te gen un paquet de projets que te commencé. T'as coup projet divers barrages en de pays ya. Projet sa yo, mesdames et messieurs, te mette un paquet de moun en suspens. Projet sa yo, te mette un paquet de moun nan gros problème nan gros courri. Parce que peuple haïtien supposé continuer vivre nan misère. Peuple haïtien supposé continuer vivre nan problème. Parmi projets sa yo, mesdames et messieurs, gagne barrage la tannerie. Nous allons attendre avec Kounya la déclaration citoyen sa. Qui a montré nos vidéos? Qui travaille qui te commence fait déjà sous barrage là? Attendez, en suivre avec moi parce que bagayo pas petit du tout. Côte bois haïtien, Côte bois haïtien. Et m'te vle faire nous ouais travail président lui même t'a fait et ça c'est barrage la tannerie que en pile monde dans pays a pas de connaître et même passer tout le monde qui ont des chance fait ça que le département nord et travail ça lui même il trouver dans et zone grande rivière du nord mais habitation ça la tannerie et c'est un barrage qui était là et depuis l'année 1980 et bien qui t'écrasé et bien le président Jovenel lui-même et bien te prend décision pour être capable refaire et travail ça pour permettre que et zone ça que li capable gagne de l'eau pour voyer et de l'eau ça dans et quartier Morin et limonade pour capable arroser et toute zone ça et bien côté moun yo t'a pas gagne possibilité pour joindre de l'eau et pour user terre et pour faire jardin, eh bien, malheureusement, même force fait noir, ça qui est les oligarques corrompus ensemble avec tout et Tchoulio, eh bien, n'est-ce même t'as pas assassiné président Pepnan, eh bien, pour même que travail ça, on capable camper. Et nous capables là, et comment, et de l'eau dévider en pile d'eau, c'est vraiment très bel travail, eh bien, nous-mêmes, et nous prenons une décision ça et faut même que moi te paye avion pour me venir à Haïti pour me venir garder travail ça yo et parce que travail ça yo et journaliste marchand micro yo et tout le bourgeois yo tout le monde qui empêche pays d'Haïti développer on pas jamais montrer nous travail ça yo on pas jamais montrer nous travail ça yo parce que travail ça yo qui au profit des peuples non qui au profit de toute masse là. Et bien pour travailler ça, ou même capable. Bah, nous manger, bah, nous travail. Garde tout l'eau qu'a gaspillé. Garde tout l'eau qu'a gaspillé. Nous seulement besoin canaliser de l'eau ça yo. Nous seulement besoin yon travail simple qui pour faire sou yo afin pour ne pas gérer la terre. Mais nous préférer nan chien manger chien. Nous préférer rester là. Elik pi important pour nous. Et bah, kou an an peyi a, et bien. Ben, ça n'a pas jamais intéressé, n'est-ce pas? Et là, on a regardé, c'est même rivière ça qui sortit et baron, et bien qui passait et limonade. Ouais, c'est même l'eau ça, nous avons regardé la quantité de l'eau qui déjà captée là, et bien pour être capable d'alimenter toute zone et quartier Morin limonade et autre, l'eau ça a une possibilité pour être capable ben, tout et arroser toute terre ça. Et bien malheureusement, nous avons arrivé à assassiner le président. C'est juste même pour travailler ça, on pas jamais arrivé à concrétiser. Mais normalement, son travail qui est là, c'est fini. Et on attend là, quand c'était de l'eau, qui a débordé, nous avons comment on doit vider. Et comment on doit vider. Là, c'est vraiment son bagage extraordinaire. Son bagage extraordinaire. Et je pense que nous sommes capables de qualité de travail. Président Jovenel Moïse a fait. Malheureusement, nous avons un peuple qui n'a pas qu'à comprendre rien. Son peuple a crasé le peuple. Il a crasé le cerveau du peuple. Tout ça et pour être capable de quitter André Michel, lui la Toti, gaspillé. Et avec tout notre paquet de bandes vagabonds. Et pour même pour faire peuple ça, tirer tête. Nous avons regardé la quantité de l'eau qui est captée. Mais tout ce face, non? Ouais. C'est pour nous ouais travail non m'a marché et pour nous capable ouais travail non pour nous c'est qui qualité travail
président Jovenel lui-même t'a réalisé. Et nous songe longtemps moi même qu'on a fait zone non et nous te qu'on ouais et carcasse béton ça yo qui montre que là t'es un barrage. Et bien meni mes amis. Meni. Hein? Est-ce que nous ouais? Malheureusement m'pas un technicien dans le domaine là pour t'avoir dit nous et évaluer qui quantité espace travail ça étant sous lit. Même parce que Napoué, vraiment son travail extraordinaire. Merci frère. Merci en pile. Parce que vous permettez nous visiter qualité côté ça. Qui a avenir. Qui est capable de permettre peuple haïtien manger pi bien. Ah oui, son bataille que nous mené. Bataille si là, li pas seulement contre gouvernement. Bataille si la, li pas seulement contre oligarque corrompu. Bataille si la, li contre tout choul en da pays d'Haïti. Choul pouvoir, choul blanc, choul voisin. Parce que oui, nous supposons camper pour nous mener bataille là de façon correcte. Pour nous mener bataille là de façon exacte. Parce que pas gen camper. Non pas gen camper et pas jamais gen camper. Pays d'Haïti besoin aide moi. Li besoin aide ou. Li besoin aide nous toutes. Pour nous capables de mettre le campé encore. Gide série bataille n'a fait, nous pas qu'à passer inaperçu. Impossible. Non, impossible pour nous passer inaperçu. Mesdames et messieurs, nous gagnons MTH qui c'est une association qui pourra parler ensemble avec nous sur ce canal là. Parce que c'est important. Dossier canal ça li kebe nou ak. Et nan moment là, moun yo ap essayé associer canal là ensemble avec travail un groupe bandi. Parce que gon moun ki vont information ban moi là, yo prend photo barbecue posté, y a dit chef gang barbecue, dit faut canal la continue. Alors que la kayo, gen journaliste qui te dit y a payé barbecue pour barbecue al camper canal là en tant que chef gang. Je jodi a la, yo besoin associer travail nous ensemble avec chef gang. Entendez mesdames et messieurs, ça qui pral vini là côté citoyen ça a expliqué nous qui Jean Bagayo a déroulé. Si mit a une délégation, voilà met. N'a pas de solidarité nous n'a parole nous, n'a continuer mobiliser mais tout n'a si ça nous gen en main nous. Délégation pralé. Si c'est si manqué à Pibon, on a bali. Si c'est si sable à Pibon, on a bali. Si c'est fer, si c'est bloc là. Sans qu'à faire, on a fait, on a poté collé. Nous mettons tout syndicat dans le pays à poté collé pour nous au moins avoir solidarité. À mon ouanamet, je pense que ça c'est une nouvelle et son lot manuel. Moun qui connaît le gouverneur de la OZE. Ça, coup de l'eau a pété tout bon vrai. Je pense que c'est vraiment exploit qu'a gagné en Haïti. Il faut nous encourager ça. Mais lui, ça vient d'aller faire une déclaration. Et son bagage nous tout tape dit depuis longtemps. Monsieur dit, pour le pas finir, il dit, le problème d'Haïti n'est plus en Haïti. Le problème d'Haïti n'est plus en Haïti, il est entre les mains de la communauté internationale. Ça veut dire, ça n'a pas passé en Haïti. Misère, nous n'avons jamais légal. Grand goût, sous-développement, c'est dans la main de la communauté internationale. C'est eux mettent la donne. Et puis, bah, il va dire, la République dominicaine seule pas la solution. Nous n'avons pas besoin de la solution pour nous. Retirez-nous, bas nos chances pour nous vivre nous-mêmes. Comme problème dans la carrière, qui est le problème, quittez nous-mêmes haïtiens, nous chercher solution pour tête nous. Son chance, oui. Ariel a gagné pendant que la population sale tape tant de support. Pendant que il y a 7 à la police nationale qui arrivent à Wanamet. Comment nous sommes contents? Ça veut dire que si c'est le gouvernement qui descend. Quand je viens de Mounio, mon cher, c'est vraiment un exploit. Mais pour moi, il y a raté chance. Mais est-ce qu'il y a encore temps? Il y a un peu de temps parce que mon dieu, ça a zongé à travail. Il y a des engins lourds. Le ministre de la TPTC, bon, gouvernement à travers le ministre de la TPTC, il a fait le maximum affaires sociales et bien-être social. Il y a l'autre bois pour te manger par Mounio, mettre des camions de citaines d'eau par Mounio pour au moins gagner des notes officielles. Même plainte. Gouvernement doit dire un mot. Il va dire, mais nous-mêmes, on est des citoyens. N'a fait ça n'est pour nous faire ça nous doit faire mais n'a pas tant 10 minutes avant une délégation. Voilà mesdames et messieurs, voilà. Pour job
Il y a des bagay comme ça en Haïti qui côté, comment, qui j'en qui bon. Comment yon pral fè fèl? Pas de bagay comme ça. Non! Gouvernement ça, c'est ratement des soufflets que lié. Gouvernement ça, c'est coup nan do la marché bay peuple là. Comment le pral fè al pote manger, et servi ak matériel? Pas de bagay comme ça. Pas de bagay comme ça. Mesdames et messieurs, nous pral parler ensemble avec Claude Joseph qui pral expliquer nous. De quoi il s'agit sous dossier canal là. En de la déclaration, ancien ministre affaires étrangères Claude Joseph, premier ministre par intérim pays d'Haïti. Il est important pour nous mobiliser action et parole de Salini pour nous capables de traverser le carrefour historique que nous vivons aujourd'hui. Important. Nous vivons un moment qui est extrêmement difficile. Et compliqué. Pas un attachement à la nation, pas un attachement à la patrie. Côté qui est un ensemble de dirigeants, pas un courage, qui pas une détermination, qui bat et devant étrangers. Dessalines, nous te dit, nous t'es osé pour nous libres, faut que nous continuions à oser pour nous capables de protéger le pays. Donc, moi, je pense que c'est ensemble action ça qui mobilisé, qui pour moi-même important pour nous regarder, je dis, mais Dessalines, il faut regarder son angle qui est plus grand, il faut regarder Dessalines, son angle qui est plus large. Dessalines, c'est ben nous, sur la première constitution que nous avons gagnée en Abéa. C'est la constitution 1805. Là. Et la constitution, ça, elle était, nous sommes capables de dire, une constitution qui te permette, nous inscrit liberté nous sous papier. Donc c'est ça Dessalines de faire concession 1805 ans. Bon, nous toute connait histoire papa nation hein, il pral assassiner sous pont rouge parce que bataille li c'était une bataille contre une oligarchie en Abéa qui croit que toute richesse pays a de dans un petit groupe monde doit l'assassiner. Dessalines, donc ou pas gagner un pays qui divise ensuite et je dis encore nous avons séquelles assassinat je dis on a vive séquelles on a vive trace on a vive nous cicatrices assassinat Dessalines dans corps pays dans nom pays dans cœur pays donc on a besoin des monde qui gagne esprit Dessalines. Le courage de Dessalines, détermination de Dessalines. Nous besoin ouvrir. Et nous signons une déclaration conjointe avec le groupe dominicain. Côté, effectivement, tous les deux parties sont d'accord que le travail n'a fait pas détourner ou bien dévier de loi sur Rivière. Qui vivent là, les impôts. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Claude Joseph. Donc, le travail qui pral fait là, pas dévier Rivière. Travail qui pral fait là, pas déranger personne. Il pas déranger ni Haïti ni République Dominicaine. Pour qui ça haine ça a continué? Pour qui ça bataille ça a continué? Ce question qui a posé. Pour qui ça bataille ça a continué? Et mes mesdames et messieurs, actuellement là, président américain focus sur une intervention militaire en dans pays d'Haïti qui capable retirer dans ça que lié. Eh bien, mesdames et messieurs, nous prenons le temps de l'ambassadeur français, représentant français, dans le pays d'Haïti, qui prend le détail, pour qui ça la France même, il va jamais prendre une décision ensemble avec parole. Les États-Unis, la Chine, Taïwan, se sont déjà prononcés sur l'appui à apporter sur la mission multinationale ou dans le cadre du déploiement d'une mission multinationale sur le sol haïtien pour aider à résoudre la crise sécuritaire, la France ne se prononce pas encore. Pourquoi ? Non, je crois que la France s'est déjà prononcée à multiples reprises sur le diagnostic sécuritaire en Haïti. Notre diagnostic sécuritaire, c'est que la situation reste très grave, à certains égards d'ailleurs inacceptable, et nous avons vu
ces dernières semaines un très grand nombre de troubles dans la ville, notamment à Carrefour-Feuille, qui ont été très préoccupants pour l'ensemble des habitants de la ville, et en particulier bien sûr les habitants de Carrefour-Feuille, puisqu'il y a eu beaucoup de déplacés et tout ça ne peut pas durer. Donc nous avons toujours dit que nous étions en faveur d'une force multinationale qui viendrait appuyer la police nationale haïtienne pour rétablir la sécurité dans ce pays. Alors quand j'ai parlé de se prononcer ouvertement, les États-Unis, le Canada, la Chine, Taïwan se sont déjà prononcés en termes d'appui à apporter et à cette force multinationale. Il y en a qui ont parlé de l'appui en ressources matérielles. Moi, je suis là parce que je suis là en bas bouche grand monde. Monsieur a parlé ouvertement de ce qui a passé actuellement dans le pays d'Haïti. OK? Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas parlé de ce qui a passé quand vous faites là ouvertement. Et c'est grave. C'est grave. Vous laissez étrangers nous bailler responsabilité pour changer le pays pour nous. Et balance, non? D'autres en ressources humaines, même si ce n'est pas en termes de ressources militaires, en termes de soldats. En ce sens-là, la France ne se prononce pas encore. C'est peut-être ce que j'ai voulu dire. La France ne dit pas non seulement qu'elle appuie ce que vous avez précisé, mais qu'est-ce qu'elle pourra apporter au-delà de cet appui en termes de verbalisation, en termes de parole, si vous me passez l'expression. Non, mais je crois que cette question, les autorités françaises y ont déjà répondu. C'était peut-être il y a un peu longtemps, et donc c'est peut-être qu'on l'a un peu oublié, mais moi je me souviens de l'année dernière, lorsque le débat en octobre était né, le débat sur la force internationale était né, puisqu'il y a eu l'appel du Premier ministre à la communauté internationale, la ministre des Affaires étrangères, Mme Colonna, était à Washington, et elle avait indiqué que la France soutenait cet appel et que la France y contribuerait le moment venu par des moyens matériels ou humains, mais c'était à définir. Et je crois que notre position n'a pas changé. D'ailleurs, je note que les pays que vous mentionnez, en tout cas certains que vous mentionnez, n'ont pas dit autre chose. Pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est le déploiement ici d'une mission d'évaluation kenyane qui a marqué son intérêt pour participer de manière humaine à cette force. Et donc nous attendons de voir que les choses se clarifient à New York, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider cette force si elle se concrétise et si elle est approuvée à New York. En tout état de cause, je peux vous assurer que la France soutient l'idée de cette force et souhaite qu'elle soit déployée le plus rapidement possible. Il devrait y avoir une résolution votée au Conseil de sécurité de l'ONU le 15 septembre dernier. Ça n'a pas eu lieu. En fait, ce n'est pas la date qui n'a pas eu lieu, mais l'événement n'a pas eu lieu et Haïti n'était pas sur la table à cause, selon les informations, de manque de consensus au niveau national sur la situation. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de ce consensus politique entre les acteurs nationaux, il est possible de trouver vraiment un modus operandi et qu'une décision puisse être prise et sortir donc, du Conseil de sécurité au-delà de consensus large sur la question en Haïti? Il y a deux questions. Vous posez deux questions en une. Première question, moi je ne sais pas d'où sort cette date du 15 septembre. Moi, je ne l'ai jamais reprise à mon compte. Et ceux qui en parlent ne savent pas exactement comment fonctionne le Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, il y a un président, c'est lui qui fixe l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Et je crois qu'il est tout à fait logique que cet ordre du jour soit fixé en fonction des progrès qui sont faits dans les discussions. Donc effectivement, il n'y a pas encore d'accord sur ce texte. Les discussions continuent, mais c'est normal. Ce sont des discussions complexes, ce sont des discussions qui soulèvent un très grand nombre de questions sur les modalités de cette force, son mandat, son dimensionnement, son rapport avec les contributeurs. Et c'est normal que les discussions durent un peu, mais j'espère que ça va se terminer très rapidement et avec succès. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous me parlez d'un consensus, du lien entre ce débat et le consensus national. Le consensus national, ou plus exactement un accord qui permettrait d'élargir la base sur laquelle cette force pourrait venir en Haïti. Nous avons toujours dit aussi que nous étions en faveur d'un accord élargi. Je ne parle pas de consensus parce que c'est difficile de parler de consensus dans un pays où il y a un très grand nombre de partis politiques. Plusieurs dizaines, peut-être même plus que ça. Donc moi je parle d'un accord élargi qui permette de sécuriser sur le plan politique davantage l'arrivée de cette force. Voilà mesdames et messieurs, et consensus en Haïti vraiment difficile puisque nous vivons dans un pays qui a trois partis politiques
il a raison. Et depuis que toute partie politique ça yo, chaque parti politique yo pral vle et mettez position pa yo sous table là, mettez proposition pa yo sous table là, mais qui ça yo vle, mais qui ça y a tant, mais comment yo vle le fait. Donc ça compliqué, mesdames et messieurs. Directeur général Bessapla débarqué. Li débarqué, mesdames et messieurs, pour l'al parler ensemble avec moun Wanamet. Alla, m'parle trop. Bamba nous tade. Écris une nouvelle page d'histoire. Je dis, nous sommes la seule force de défense nationale. Territoire pays nous menacé, nous campons en grand monde, en garçon voyant, pour nous défendre. Mais nous capables d'aller plus loin. Et le monde entier, j'ai arrivé sur Haïti. Moi, je demande solidarité. En tout le monde, on a mis. Pour projet ça, nous avons une couleur politique. Pour quel que soit le groupe politique qui appartient, nous faisons promet avec le peuple là pour que nous continuions à quimber dignité. Nous sommes réellement contents avec nous. Mais je finis pour me dire, peuple dominicain, peuple haïtien n'a pas rien avec nous. Nous seulement apprenons droit nous. Nous sommes deux peuples qui partagent un seul île. Nous sommes deux ailes, nous mêmes oiseaux. Nous avons aller. Et général, la qu'a fait causer ici. Et général, ça qu'a fait causer ici. Parce que c'est vraiment important pour le gouvernement comprendre. Nous ne pouvons pas sortir sous position que nous avons là. Non, nous ne pouvons pas faire back. Ce bataille qui a continué. Ce bataille qui a continué. Il y a besoin d'éliminer Bessap. Il y a besoin de faire Bessap faire back. Qui côté? Comment? Hein? De qui façon on a arrivé à faire ça? Expliquez-moi. Pas qui moyen nous pral utiliser pour nous faire ça. Et fou nous fou. Mesdames et messieurs, mon corps, vous faites un gros problème. Le dit qui a venu là, diverses écoles qui servent comme centre hébergement, m'a dit pour remettre local. Ministère Affaires sociales pas jamais dit rien à cause ça. Gouvernement pas jamais dit rien. Il seulement assumé que il gagne des territoires qui perdu en d'un pays. Mais pas ouais non, si tout territoire perdu dans main. Il pas remarqué que même Haïti a perdu dans main. Donc il important. Li important pour nous comprendre que bagay yo pa piti. Abelson Gonek qui dans la rue avec moun ka fou feuille, nous pral entendre déclaration Abelson Gonek. Nous pral entendre oui. Pas oublier. Utmo. Qui est permission pour y mettre l'ordre. Simon qui est permission pour y mettre l'ordre. Pour qui ça? CSPN qui est en tête li. Ariel Henry, il est ministre de justice là, ministre intérieur, TCPNH là. Yo pa bay Utmo Lord, yo pa bay Simo Lord, yo pa bay SWAT Lord, yo pa bay BIM Lord, yo pa bay Katsim Lord pour attaquer gang de la vie. C'est parce que nèg yo yo gen intérêt yo nan question gang nan pays ya. C'est vrai depuis matin te lancé mouvement. Mais Ariel Henry, parce que je vais dire ça, le proche du gouvernement, l'élu dans le téléphone, il dit, qu'est-ce que ça pour nous faire pour nous sauver Cafoufeuille? Moi, dit, son opération musclée pour faire pour nous repousser gang Cafoufeuille. Et bien, il répond, moi, il dit, la balle à mon dos, ça me pensait s'il vous plaît, qu'il mange pour vous. Moi, dit, c'est pas un problème, manger mon temps, on fait gagner. Et pas qu'il monde pour y jouer. C'est sécurité au besoin, c'est la caillou qui tourne. Depuis les halles, pas jambouillé. Jusqu'à ce que le caillou m'a boulé. Bandit envahi. Je dis à les médias qu'on est. T'as les paroles là, dit. Même les autres, tout comme, défendent ça qui est juste. N'a pas gardé malgré, depuis avant hier, nous lancer le mouvement. Le peuple n'a pas qu'à déplacer pour qui ça. C'est parce que l'État haïtien réduit au anti-grain de manger. Mais ce que vous ne comprenez pas, yon ancien magistrat, ou a parlé à Belle pour la réduire, vu yon peuple, anti-grain quitte, anti-grain manger. Même Jean-André Michel, qui est déplacé, le monte Cafoufeuille, l'aime dans la prison, pour qui ça ne pas, je me tiens, c'est qu'à passer Cafoufeuille là. Je dis, comme nous, un peuple Cafoufeuille,
l'État met en condition pour eux-mêmes peut revendiquer sa crédit au droit. Mais si tu as 1000 personnes qui ont fait ta coum, il y a un pile nec qui va taper là encore. Si tu as 1000 personnes qui ont fait ta coum, un pile nec qui n'est entourage Ariel Henry pour taper là encore. Ariel Henry, parce que moi-même, chaque fois, je mets à genoux à terre, et je ne peux pas perdre. Moi-même, c'est pour que ça y ait un policier ou bien militaire avec Ariel, Sam qui n'a pas de monter dans la tête, il faut taper dans la tête. Pour que ça moun kap manger pour Ariel, yo, pas tout prason de manger, peut te faire Ariel. Pour que ça moun kap ben de Michel manger, yo, pas foutre de Michel prason. Pour que ça moun kap ben tout ministre ou manger, pas pété fiel yo. Pas oublier, quand vous avez là, on a eu de mon prêt pour yon baye gaz. Mais pas oublier, m'vini, monsieur Taron, les adnèmes, ils font descendre parce que les gars font violence au peuple là. Nous passons le bon côté où la vérité est violence. Une mort pas de possibilité pour yon l'attaquer dans le gravine. Simon n'a pas de moyens pour attaquer gang grave. Mais il y a des moyens pour le kidnapper malheureux à gang. Parce que Babi est un peu policier dans gang. Nous comme ça. Même pas qu'à paix. Babi, même moi, même ma personne connaît qui fait chaque policier qui a touché 15 000 gouttes. Yannick Joseph, Gabi Jeffroy, il a foutu petit peu de gaz. Et bien c'est pas ça pour madame. Comme si 15 000 gouttes là sont au ben. 15 000 gouttes là sont au ben. Gaz. Et bien je dis à nous dire, comme peuple en pile dans yo. Ils ont peur de revendiquer droit. Mais question, pendant là, pour le tabac gaz, il a évité un peu possible. Il y a des tabacs très nombreux. Depuis que nous avons eu gaz à le peuple là, gardez tout ça que vous avez avec nous. Vu que le confrère policier a venu parler, il dit à Benson, tous ces policiers, essayez de gérer ça. Mais avec slogan, Udbo, Banou Kafoufei, Swat, Banou Kafoufei, Simo, Banou Kafoufei, LB, Banou Kafoufei, Ariel, Banou Kafoufei, ça. Donc on a continué. Nous allons camper en face de là pour nous dire une bonne banou café. Ou pas camper en face Ariel Henry. Ou pas monter Vivi Mitchell ou la ka Ariel. Ou pas la ka Emeli, chef la police. Ou pas la ka DGLB. Et puis ou vin descend nan Udmo pour Udmo bon kafou fey. A qui ça Udmo pral bon kafou fey là? Et puis go paquet moun ki accompagne l'encore, oui. Les gros paquet moun ki accompagne, qui d'accord ensemble avec cela dire. Nous pas ouais monsieur Ali même c'est une bêtise la passe nous. Parce que si gros combat cap mené dans moment, n'a pral devant la Ariel. Nous pral devant la ca Emily. Nous pral devant la ca Francis B. Mais devant Udmo, ça Udmo pral régler pour nous. En tout cas mesdames et messieurs, bagaille compliqué. Nous mettez bout là dans rubrique pour aujourd'hui, rendez-vous cassé dans mitan journée pour reste information d'ici là, restez bénis et protégez-vous. Bye bye. À tout à l'heure.